Oh my god. Et bonjour messieurs dames, nous sommes aujourd'hui pour une vidéo pour tester le petit frappeur sur Smashing 4. Alors j'espère que vous êtes chaud avec nous pour tester ça les gars, on va tester ça ensemble. Donc on peut voir le nouveau personnage, nouveau héros, donc on va tester ça. Donc sa capacité après avoir frappé un ennemi, ce dernier perdra 39 points de vie là pour le coup vu qu'il est niveau 7 lorsqu'il sera frappé de nouveau. Donc on va le tester avec des cartes qui frappent en fin de game. Donc on a un petit clan les gens, si vous voulez rejoindre c'est les louches et même. Si ça vous fait plaisir, allez-y venez. Lancer une bataille, ça serait bien. Donc je vais essayer de me placer bien pour voir comment il peut taper très très fort. Donc, il va jouer en dernier. Dommage. Alors comment est-ce qu'il faut que je fasse? Très bonne question. Bah déjà tu le... sont enchantés mes bonhommes ou pas? Tu le touches pas. Après moi je vais te zombifier. Et je vais essayer de... Bah essayer de placer tes... Bah de toute façon on va essayer de jouer un petit peu normal pour l'instant mais... sans vraiment trop se faire de dégâts. On va essayer de pas toucher le frappeur. Moi mon objectif c'est de te zombifier. Tu peux juste essayer d'éviter de... de zombifier quelques cartes pour que mon frappeur aille les toucher, qu'on voit ce que ça donne si oui ou non le frappeur annule le zombie, si le zombie fera plus de dégâts du coup grâce au frappeur. Tant de questions les boys qui se posent. Quelle puissance de cette attaque. C'était pas prévu que ça se passe comme ça les gars. Mais déjà comme ça tu peux zombifier. Voilà, zombifie tout ça. Si évite de bouger ton vampire. Ouais, ou essaye de pousser un... si tu peux relever un petit peu le géant au pire. Non, c'est bon, c'est pas grave. Non, je joue dans le vent. C'est très bien. Tout ça, les gars, pour tester pour vous. En exclusivité, les gars. En français, les gars. Je me tâte quand même à me faire bouger ou pas mon géant. Mon frappeur est là-haut, ça me fait chier. On peut voir que les petits yeux bougent, moi je trouve ça trop excellent les gars. Ouais ça c'est vraiment les yeux bougent, c'est trop excellent. Oh super, mon géant est super bien placé. Alors du coup je vais aller tester mon frappeur directement vers ton tir. Ils sont tous alignés hein les gars. Les 4 bonhommes sont alignés quand même. Ça va jouer sur le seul tir là. Voilà. Voilà, bah il fait un carnage. On a même pas vu la puissance du frappeur, il a tout dégommé. Il tape du coup bien, 47. Mais du coup il tapait... Ça a fait du 88 à un moment donné. Après avoir frappé un ennemi, ce dernier perd moins 40. Quand il est frappé de nouveau. Ah bah là ils ont frappé les deux à chaque fois. Ouais, du coup à force de frapper... Il fait du... un carnage. Si tu le tapes deux fois... Il tape 3 fois du 47 en fait. Allez, on est reparti, on va. Si t'arrives à le taper 4 fois, c'est là que ça devient énorme. Vous avez vu le zombie là, il a fait du 77. Du moins 77 du coup, vu que j'avais mis sur le frappeur. Sur le forgeron, je vais y arriver. Allez, on recommence. Allez, on gars, repousse. Chaud patate, on repousse le frappeur dessus. Regardez, là. Moi. 61 du coup, qui restait plus que 61 PV. Et du coup, là, comme vous pouvez voir, mon géant tape du 45. N'hésitez pas, les gars, à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. C'est énorme, c'est que j'arrive à faire rebondir sur le frappeur, les boys. Oh, dommage. On vient de passer les 250 abonnés, on est super heureux. Vous les avez gars. Vu ça le zombie. Et voilà, on peut voir les gars que le frappeur ça, les boys. A frappé. Le frappeur a frappé. Et il nous fait sa petite danse en bas il là. Il a frappé très très fort. Très très fort. Très très fort. Donc on peut voir les gars qu'il est extrêmement fort. Donc là il était de niveau 9 si je ne me trompe pas. Oui normalement. Donc là au lieu de faire du moins 39 il faisait du moins 47. En fait il fait autant que son attaque. Le mec, voilà. Comme beaucoup de cartes.
beaucoup de cartes font équivalent à leur attaque. Il a pas mal de vie, il est léger, il est puissant. Sur ce les boys, ciao ciao. Ciao ciao.